qui marque, en fait, c'est s'identifier. J'ai commencé à travailler sur ma marque pour me connaître, pour m'identifier, pour comprendre ce que je pouvais améliorer ou vraiment profiter de qui je suis. J'ai découvert pas mal de choses et surtout j'ai réussi à m'identifier ou aussi à connaître quelles sont les choses qui me distinguent, qu'est-ce qui me fait différente par rapport aux autres athlètes. Quand on parle de marque, on connaît souvent des produits, alors comprendre comment une personne puisse être une marque. Et après avoir compris ça, vraiment, je vais devoir développer ça. Parce que quand je vois un produit avec une marque écrite dessus, c'est plus simple à comprendre. On dit que là, c'est-à-dire ben, Lara, c'est une personne. Et puis Lara peut être aussi une marque. Tandis que là, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Alors, j'étais consciente que ça, c'était un atout. J'aurais sûrement profité de ça, mais c'était vraiment s'y mettre à fond et disons, se battre. J'ai réussi, grâce à cette marque, à faire aussi un travail d'image, aussi à identifier mon team, et ça, c'est le premier pas. Une personne peut évoluer, ne peut pas changer. Alors, je pense qu'une marque va aussi évoluer. Si elle va changer, ça veut dire qu'au début, il y a un problème ou on n'a pas bien bossé sur la marque. Ben, j'en dirais trois. La volonté avant tout, puis l'intégrité et la performance. La recherche de l'excellence. Je crois qu'un athlète, un sportif, c'est vraiment ça, c'est chercher ses limites, repousser ses limites et chercher dans chaque mouvement, dans chaque entraînement, de s'approcher à l'excellence.